nationaux du Québec. Merci, Éric. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, cher Jean Lemire, tout d'abord, vous dire à quel point les offices jeunesse internationaux du Québec, logique, sont heureux d'avoir été retenus avec l'IFDD comme opérateur de cette initiative jeunesse de lutte contre les changements climatiques. Vous savez que Logique existe depuis 48 ans. Le premier office créé fut l'Office franco-québécois pour la jeunesse. D'ailleurs, je souligne la présence de mon homologue français, Pascal Bonnetien, qui est ici. Et c'est 160 000 jeunes Québécois qui, depuis la création de nos offices, ont pu réaliser des stages et des missions à l'étranger. Donc, l'initiative jeunesse dont nous vous parlons ce matin vise à renforcer les capacités des pays francophones les plus vulnérables au changement climatique par le soutien à la participation des jeunes du Québec et d'Afrique. C'est très important, ça va dans les deux sens, à la lutte contre le changement climatique. Quand on parle des pays francophones, notre initiative va plus particulièrement viser les pays qui sont les plus vulnérables et notamment les pays d'Afrique subsaharienne, d'Afrique du Nord et des Antilles. Nous avons deux programmes de cette initiative jeunesse, soit un premier qui est dédié aux entrepreneurs et qui favorise l'économie verte, et le deuxième, l'éducation et la sensibilisation. Elle vise l'atteinte des objectifs suivants, donc tout d'abord dans le volet 1, favoriser le renforcement des capacités des jeunes en entrepreneuriat et en économie verte en vue de permettre l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. Également, stimuler la créativité chez les jeunes et le développement de projets de nature entrepreneuriale liés à la lutte contre les changements climatiques, encourager le réseautage des jeunes entrepreneurs nord-sud et développer les compétences entrepreneuriales et techniques des jeunes dans le secteur des changements climatiques. Enfin, encourager la prospection, le développement de partenariats, les échanges d'expertise et le savoir-faire liés au changement climatique. Deuxième volet, volet éducation et sensibilisation. Alors, ce volet vise à faciliter l'éducation et la sensibilisation des jeunes aux enjeux climatiques en vue d'assurer leur mobilisation, familiariser, sensibiliser, renforcer la capacité des jeunes aux enjeux climatiques, permettre aux jeunes de s'approprier les concepts et les outils éducatifs liés aux enjeux climatiques, et enfin permettre la participation de jeunes aux événements internationaux en lien avec les changements climatiques. Les appels aux projets sont en ligne actuellement. Moi aussi, je vous demande de rester ici, comme l'a fait mon ami Jean, mais c'est du concret. Vous pouvez dès maintenant faire application pour nos programmes. Et pour vous illustrer des exemples de programmes ou de projets qui peuvent être réalisés, je vais donner la parole à des jeunes qui sont ici aujourd'hui dans le cadre soit de l'aide de Logique, bien sûr, du Fonds vert, et de l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Donc, tout d'abord, je vais inviter Mme Fatima Sarah Berrache, qui est directrice du Biodôme du Maroc et finaliste du 5e Forum international jeunesse et emploi vert. À vous la parole. Bonjour à tous. Je vous remercie pour votre invitation. D'abord, je vais commencer par l'histoire que j'ai vécue pour pouvoir concrétiser mon rêve et créer mon entreprise. Il y a 4 ans, j'ai rendu visite à mon ami dans la campagne ici au Maroc et j'étais surprise quand j'ai vu qu'il dès qu'on entrait, on a vu des stocks, des bouteilles de gaz à côté de leur maison. Et j'étais étonnée du coup quand j'ai vu les enfants jouer à côté de ces bouteilles sans problème et c'était normal chez eux. Quand j'ai demandé, on m'a dit que c'est leur seule source d'énergie. Ils n'ont pas accès à l'électricité et qu'ils l'utilisent pour la cuisson, pour le pompage d'eau, pour l'irrigation. J'ai réfléchi à ça vu que je suis ingénieure en procédé et pourquoi pas développer une solution pour cette population, surtout quand on a trouvé qu'il y a plus que 90% d'agriculteurs qui utilisent les bouteilles de gaz pour le pompage d'eau. On a développé ça à l'université, puis à l'échelle pilote, et puis j'ai créé Biodôme du Maroc, la première entreprise marocaine spécialisée dans la construction des installations de biogaz et de compostage. On a lancé le projet et on a pu créer une installation chez mon amie. Maintenant, elle bénéficie d'une unité de méthanisation. Elle est indépendante énergétiquement et elle peut produire chez elle 3 bouteilles de gaz par jour.
Donc, elle est parfaitement indépendante. Et de plus, ça lui permet, notre installation, elle lui permet de traiter les déchets de sa ferme, qui sont la première source de gaz à effet de serre et qui produit du compost, qui est un fertilisant biologique. Donc, on favorise une agriculture plus bio et plus saine. Je peux dire que je suis fière de mes réalisations jusqu'à maintenant parce qu'on a pu faire un contrat avec une coopérative très connue ici au Maroc pour multiplier cette action dans des coopératives agricoles. J'ai pu susciter l'intérêt de l'IFDD et le Forum international de la jeunesse et de l'emploi vert. Maintenant, on est deux ingénieurs et 10 entre techniciens et ouvriers. Donc, on a pu créer de l'emploi vert dans notre région et dans tout le Maroc, vu qu'on va toucher plusieurs zones ici au Maroc. Et je ne souhaite que le succès pour nous et pour des actions vertes comme celle-ci. Je vous remercie. Merci, Fatima, pour cette merveilleuse initiative. Maintenant,